Shalom, shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Moi, c'est votre frère Ousmane depuis le Bénin. Je vais témoigner aujourd'hui ce que le Seigneur a fait pour moi. Le samedi passé, j'avais une boule au niveau de mon téton gauche. Mais quand je touche la boule, ça ne me fait pas mal. Et je me disais intérieurement, mais c'est quoi cette boule encore au niveau de mon téton gauche? Tout compte fait est que je sais que Dieu ne m'a pas créé avec une boule au niveau de mon téton. C'est Dieu même qui va encore finir par l'enlever. Mais je vous dis, chers frères et sœurs en Christ, je vous dis que la boule le samedi passé, comme le pasteur en train de prier, il a indesté, il dit qu'il y a un monsieur qui souffre au niveau de la poitrine. Toute personne qui a mal au niveau de la poitrine de mettre sa main. Chers frères et sœurs en Christ, je vous dis, j'ai mis ma main. Je suis en train de prier avec l'homme de Dieu. Je priais jusqu'à où à la fin, il a fini, il a dit Amen. Moi-même, j'ai répondu Amen. Chers frères et sœurs du monde entier, je vous dis que Dieu est vivant. Dieu est vivant, Dieu est auprès de nous. Dieu nous écoute selon notre foi. Comme le pasteur a l'habitude de dire que c'est pas lui qui guérit. C'est Dieu qui guérit. Dieu est auprès de nous. Ayons la foi en lui. Rendons-lui la gloire. L'honneur et la gloire lui est rendu. Le Père Céleste, le Père des cieux, il est auprès de nous. Cette boule a disparu instantanément. La boule a disparu, je vous dis, chers frères et sœurs. Croyons à cette prière de Kanguka. Croyons en ça, ce n'est pas de la magie. Je vous dis bien sûr. Je suis musulman, mais ayons la foi que c'est le seul Dieu, c'est lui qui guérit. C'est lui hier, c'est lui aujourd'hui et éternellement. Il est auprès de nous. La boule a disparu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Je suis guéri de cette boule qui a disparu de mon téton gauche. Que l'honneur et la gloire lui soient rendus. Shalom, shalom, j'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, chers auditeurs de l'émission Kanguka, je viens remercier le Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie. J'ai connu Kanguka, ça fait 3 ans. Mon témoignage est que je cherche le fruit des entrailles depuis, ça fait 5 ans. Depuis que j'ai connu Kanguka, j'écoutais les témoignages des gens qui me fortifiaient, mais les deux témoignages des femmes qui ont conçu, il y a une qui a conçu après 24 ans de stérilité et l'autre après 17 ans, ça m'a encore donné le courage, ça a remonté ma foi et je me dis, ah, s'il y a des gens qui ont conçu sans trompe après 24 ans de stérilité et moi, je suis jeune, j'ai encore mes trompes. Donc là, c'est très facile pour mon Dieu, ça va passer comme, ça va vite passer en fait, je ne devrais pas m'inquiéter. Et donc, avec le message de Christ qui nous disait de ne jamais se lamenter, de toujours rendre grâce à Dieu, à toute chose qu'il nous fait, bon, j'ai continué dans la prière, et voilà, aujourd'hui, j'ai mon miracle, je suis enceinte de 3 mois, actuellement, je suis tellement contente et je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Et aussi, je passe par ce témoignage pour donner la force à toutes les femmes qui sont dans l'attente de ne pas désespérer, de continuer par prier et Dieu est à l'écoute et il va répondre à leurs prières. De continuer par prier, de continuer par mettre la main sur le ventre. Dieu les écoute et il agit au moment opportun pour faire taire la bouche de nos ennemis. Gloire à Dieu, je suis tellement contente. Je profite de l'occasion pour dire merci à Christy Kumana et sa famille, merci à l'équipe Kanguka, merci que Dieu les fortifie, que Dieu renouvelle leur force à chaque instant. Seigneur, merci, merci, soyez bénis, shalom, shalom. Shalom, shalom, chers frères et chères sœurs, je viens témoigner la grandeur de Dieu, le miracle de Dieu dans ma vie. Je suis une sœur vivante à Libreville et c'est samedi, alors que j'écoutais l'émission de Kanguka, lorsqu'une dame témoignait
qu'elle croyait que les descriptions sur les manifestations expérimentées pendant la délivrance étaient exagérées. Alors je fus saisie par des secousses de tout mon corps. Je faisais des grimaces et mes doigts se sont formés comme des griffes d'animal. Mon corps bougeait de manière incontrôlée en me courbant et me redressant à plusieurs reprises. Une voix forte sortait de moi, disant « Pars, pars, tu dois partir, tu vas partir. » Et moi j'ajoutais « Au nom de Jésus-Christ. » C'était un combat violent. À la fois que cette voix s'exprimait, je subissais des manifestations, des secousses, des ronflements, des grimaces et des cris de divers sorts. Alors que la dame finit de témoigner, elle signale que suite à sa délivrance, elle a vu ses ancêtres sortir de tous les coins de sa maison. C'est là où je me suis alors rappelé que quelques jours avant cette manifestation, j'avais vu dans une rêve et découvert dans ma maison un endroit où se cachaient des statuettes semblables à des statues d'idoles. J'étais surpris parce que c'est comme si je cherchais quelque chose dans ma maison. Non, j'étais en train de montrer à un parent ma maison. Et arrivé dans le débarras, je découvre ces statues des idoles. Et quand je veux fermer la porte, l'une de ces statues ouvre ses yeux et je me rends compte que ce ne sont pas des statues culturelles, mais ce sont des idoles. Et c'est comme ça, ensemble, avec mon conjoint, on commence à détruire ces statues. Et en les détruisant, on disait « Au nom de Jésus-Christ ». Je disais « Allez dans les lieux arides que Jésus-Christ a créés pour vous ». On continue à détruire cette figure et après la prière, qu'ils aillent dans les lieux arides, un trou s'est ouvert dans le sol et ils sont tous tombés dedans et je voyais seulement la poussière qui était en train de monter. Ils étaient alors tombés là-dedans et ce trou s'est fermé. Toute cette bataille était menée au nom de Jésus-Christ. C'est là que je me suis rendu compte que Jésus-Christ avait d'abord délivré ma maison de toute attache spirituelle négative. Et que maintenant, je passais à la délivrance personnelle. Je rends grâce à Jésus-Christ pour ma délivrance et la guérison de toute maladie qui puisse avoir à moi. Pendant la délivrance, je priais avec le verset que Christine Jukumana avait donné pour ces jours, qui était que toute montagne devant nous s'aplanit. Et je me rends compte que ma main droite dégageait une chaleur énorme. J'ai alors saisi et arrêté les côtés gauches de mon ventre, car j'ai toujours la sensation qu'il y a quelque chose là-dedans. Après avoir saisi mon ventre, j'ai commencé à prier que tout lien entre moi et les esprits impurs, les démons et les forces contraires à Dieu soient brisés et calcinés au nom de Jésus-Christ. J'ai répété cette prière avec l'émission de Kanguka plus de 7 fois. À un moment donné, je me suis endormie. Le soir, quand je suis allée au sel, j'étais étonnée.
car il y avait du sang dans le WC. Je compris que mon Sauveur, notre Sauveur Jésus-Christ, m'a touché d'une façon spéciale et qui m'a délivré de toutes choses qui m'attachent et qui m'attachaient, parce que c'est dans le passé, avec les forces du mal, toutes choses qui donnaient accès à ma vie, à mon corps, à mon esprit, qui ne venaient pas de lui. Oui, ma délivrance est totale et absolue. Ainsi que pour ma guérison, la guérison de toutes petites maux, de tout problème dans ma vie, notamment mes problèmes financiers. Je suis délivré et je suis guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je rends grâce à Dieu pour la vie du pasteur, pour la vie de toute son équipe, pour la vie de ses partenaires. Que Dieu, qui est tout puissant et qui est pourvoyeur de tout, leur bénit abondamment. Shalom, shalom, je témoigne. Je viens, par la grâce de Dieu, faire mon témoignage. Je suis une dame, j'habite les États-Unis. Je commence par demander pardon parce que je ne l'ai pas fait il y a longtemps. D'abord, je suis incrédule. Je n'ai pas cru que cette guérison était une guérison qui venait de Dieu, croyant que c'était de moi-même. Ce qui est arrivé, c'est quoi? J'ai reçu Kanguka en 2021 à travers ma meilleure amie. Elle m'a envoyé les audios, j'ai commencé à écouter, mais à un moment donné, je lui demandais, mais pourquoi cette petite chanson, tout le temps, tout le temps? Et c'est la chanson qui m'embêtait, le générique qui m'embêtait un peu. Mais à la fin, tellement que les témoignages étaient si intéressants et très importants, je n'écoutais même pas la musique là. Et à la fin, j'ai commencé même à aimer la musique. Il y a eu un moment où j'ai eu mal aux pieds. J'avais mal aux pieds tout autour de mes pieds. J'avais très mal. Et j'ai travaillé la nuit. J'ai changé des chaussures. J'ai porté des baskets de toutes sortes. J'ai jeté plusieurs chaussures. J'avais toujours des douleurs dans mes pieds. Un jour, je me suis décidée de mettre de l'eau chaude et avec le sel pour commencer à tremper mes pieds. J'ai commencé à le faire. Malgré ça, les douleurs continuaient. J'ai essayé de prendre les comprimés pour les douleurs, ça continuait. Je me suis dit, bon, je prends rendez-vous chez le médecin. Je suis allée chez le médecin. Il m'a dit, non, c'est le rhumatisme, c'est l'arthrite, on va seulement te prescrire un médicament fort que tu prendras tout le temps. Je suis rentrée à la maison, j'ai pris mes pieds, j'ai touché mes pieds, j'ai demandé à Dieu, maintenant il n'y a que toi. J'ai pleuré, j'ai changé des chaussures, mon Dieu, mon roi. Je ne sais pas ce qui se passe, croyant que c'était les chaussures qui me faisaient mal. J'ai touché mes pieds, j'ai demandé à Dieu. Je suis une veuve, j'élève 5 enfants. Je travaille nuit et jour. Comment est-ce que je peux tenir avec des pieds qui me font mal? Comment je peux aller travailler? Qu'est-ce que moi je vais devenir avec ces enfants? Seigneur, aide-moi, aide-moi. J'ai prié les prières de samedi. Parce que je ne savais même pas me mettre à genoux. Les genoux aussi faisaient mal en même temps que les pieds. La douleur des pieds, c'était comme si on avait coupé avec une gilette, sauf qu'il y a le sang qui ne sortait pas. Mais c'est comme si on avait coupé une douleur, comme s'il y avait des plaies. Alors j'ai pris mes pieds. À la prière de samedi, j'ai touché mes pieds. Je ne savais pas me mettre à genoux pour prier. Je me suis assise sur le lit. J'ai touché mes genoux, j'ai touché mes pieds. J'ai commencé à écouter la prière de l'homme de Dieu. J'ai commencé à écouter et prier avec l'homme de Dieu. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, tout ce que je te demande, c'est la guérison, Seigneur.
comment est-ce que je peux aller travailler? Tu m'as donné ces enfants, il y a des factures à payer, il y a la maison à payer. Comment est-ce que je vais devenir si je ne travaille pas, Seigneur? Aide-moi, mon Dieu. Aide-moi, mon roi. Je n'ai pas eu de manifestation. Je n'ai rien senti. Quand on a fini de prier, j'ai dit amen. Le samedi qui venait aussi, j'ai fait la même chose. Mais quand la douleur a disparu de mes pieds et de mes genoux, je ne sais même pas quand, je ne sais même pas le dire. Tout ce que je sais, que j'ai commencé à porter les chaussures normalement, j'ai commencé à fonctionner normalement. Je viens demander pardon parce que tout ça s'est passé, ça fait longtemps, mais je n'ai pas pu témoigner. J'ai me retenu pour témoigner. Je ne sais pas si c'était la peur, si c'était quoi, mais je me retenais. Aujourd'hui, j'ai prié, j'ai pris courage. J'ai entendu une sœur qui a dit qu'elle a eu la même chose, qu'elle avait peur pour témoigner, qu'elle ne pouvait pas savoir ce qu'elle allait dire. Mais moi aussi, je me suis dit non. Aujourd'hui, je dois témoigner pour la gloire de Dieu. Je viens remercier Chris, tous ceux qui supportent l'équipe Kanguka. Je demande à Dieu de les bénir. Je remercie mon Dieu, mon roi, de me soigner et de me guérir. Oh Kanguka, je dors avec Kanguka, je me réveille avec Kanguka, j'écoute les témoignages de Kanguka tout le temps. C'est ce qui me réconforte. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci pour tout. Sois béni, au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens pour témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie, la puissance de Dieu dans ma vie. Je suis gabonaise et je vis au Gabon. Je suis venue témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. En 2012, on m'a trouvé avec l'hypertension artérielle. 2 ans plus tard, en 2014, c'était le diabète. C'est par là que ma santé a vraiment pris un coup. Je vivais tous les jours avec les médicaments. Ma maison était devenue une pharmacie. Donc, il ne passait pas un mois sans que je ne sois à l'hôpital. C'était infernal. Un jour, j'ai vu sur mon téléphone une application Kanguka. Pour moi, je pensais que c'était des applications, parce qu'il y a mes petits-enfants qui utilisent souvent mon téléphone. Et j'ai dit à ces enfants de ne plus télécharger leurs jeux dans mon téléphone. Et c'est comme ça, ma fille vient vers moi, elle me dit non, maman, c'est moi qui ai téléchargé Kanguka. Je dis, Kanguka, c'est quoi? Elle me dit non, c'est une émission, c'est un homme de Dieu qui prie pour les malades, qui donne les enseignements. J'ai d'abord négligé, j'ai écouté une fois, j'ai négligé. Une semaine après, j'ai repris. J'ai dit non, je vais essayer. J'ai écouté les témoins. Pour moi, je ne croyais pas, je disais, ah, tu dois encore être ces hommes de Dieu et tout pour attirer les gens et tout. Mais en écoutant, ça m'a intéressé. J'ai commencé à écouter jusqu'à ce que, au mois de février 2021, je suis tombée malade, gravement malade, où j'avais presque perdu l'usage de mon pied. Après, mes enfants m'ont emmenée, parce que j'avais perdu l'usage de mon pied, j'avais perdu aussi presque la vue. C'était vraiment grave. Mes enfants m'ont emmenée en urgence dans une clinique de la place. Quand j'arrive, on me dit non, maman, on va te garder. Ça ne va pas. Je suis restée à l'hôpital, tout en écoutant Kanguka. Couchée, mais je ne pouvais pas me lever, mais j'écoutais toujours Kanguka. 2 jours après, le médecin est arrivé. Il me dit, maman, comment tu vas? On va refaire les examens. On a refait les examens et tout. Et j'ai demandé, parce que j'ai encore fait 2 jours, ça fait 4 jours, compte tenu du coût de la facture et tout. J'ai dit non, je vais demander à sortir comme ça, j'irai suivre le traitement à la maison.
Les médecins n'ont pas refusé et je suis rentrée à la maison tout en écoutant Kangoka. Deux semaines après, il fallait que je reparte à l'hôpital pour le contrôle, pour un examen de contrôle. Quand j'arrive, le médecin me dit, on va d'abord voir le glycémie. Quand je vais faire l'examen, je viens lui montrer les résultats. Il me dit, mais tu n'as plus de diabète. J'ai dit, waouh, merci Seigneur. Donc, et l'hypertension, parce que moi je vivais d'insuline, l'insuline tout le temps, l'insuline tout le temps. Il suffit que je m'arrête un jour, c'est fini. Je ressens le malaise, mais quand il s'agit de l'hypertension artérielle, ma tension aujourd'hui, elle est maintenant à 12. Donc, je suis venu pour témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Dieu est bon, il est merveilleux. Je suis Kangoka tous les jours. Tous les jours, si j'ai raté le matin, le soir avant d'aller dormir, je suis Kangoka. Je suis cette émission. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu m'as délivré. Merci. Oh Seigneur, merci. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur, oh qui est comme toi, qui est comparable à toi, oh Père éternel Seigneur. Merci. Shalom, shalom. J'ai témoigné.